73-51, les stations en fréquence de la part de Dindy 33 depuis Libourne. Ce bourreau qui a... Oh, oh, oh. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi. Qui lance appel sur la fréquence moniteur des kilomètres depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. Bon, la fréquence est pas mal occupée, pas grave. Dolu 33 pour Dindy 33 qui t'appelle. Oh, il y a du monde sur la rocade. Rocade Est, enfin Ouest, j'imagine que ça ne doit pas être mal. Mais du côté Est, là, c'est pas mal chargé quand même. Attention, station fréquence, c'est pour Dindy 33 qui lance appel. Il y a du monde derrière, mais c'est trop QRP. Et je suis pas sûr que ce soit très foncé. Je vais voir si les USA commencent à nouveau à repasser par là. Et 73-51, les stations en fréquence de la part de Dindy 33 depuis le pont François Mitterrand au sud de Bordeaux.
une espèce de cacophonie, il y a de la FM, il y a de tout là sur le canal 19 AM. Hachi, du coup j'ai rien compris, les 73-51 retournés de la station. Voilà, je sors du pont. Dans les environs de la sortie, là, vers Espagne-Arcachon, c'est pas mal chargé. Hein. Y a même des véhicules qui sont à l'arrêt, là, c'est un petit peu compliqué dans le coin. Attention, 14 km, Michael, pour 14 km, 3301, Dundee 33, Rémi, sur, l'autoroute, la A63. Oh la vache, il y a une espèce de brouhaha là, j'ai l'impression qu'il y en a qui squattent le 19 en FM, c'est très très compliqué hein. Les 73-51 retournés, c'est vrai que là c'est pas évident. Aïe aïe aïe. Je comprends rien. Désolé, mais j'ai absolument rien compris du tout. Bon ben, bonne route de ton côté, les 73-51 retournés. Ce fut bon, mais ce fut court. Ou l'inverse. Ah, chie trois coups. Qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Si, j'ai pris la bonne sortie. J'attrape la sortie Cestas. Ce soir, je vais travailler dans le secteur. Ah oui, je confirme. Là, ça va mieux, là. Là, je t'entends. J'ai fait une trompée, hein, mais trompée en plus. Donc j'ai attendu qu'il y ait une voiture qui passe pour me remettre sur la bonne route. Oui, là ça va mieux. Ah ben effectivement, là, je suis chez le beau-père qui est radioamateur dans le coin là. Et effectivement, là tu devrais bien m'avoir. Exceptionnellement, parce qu'habituellement je ne viens jamais à cette heure-ci ici. Mais c'est tant mieux. Et comme je te le disais, donc avant, j'avais bien dit que je finirais par t'avoir. Donc c'est pour une heure du fleuve. Ok. Ah, je suis trois coups. Eh bien, t'as de la chance que ce soir, je vais bosser là sur le secteur de Cestas, parce que c'est vrai que je viens plus vraiment de ce côté-ci. Donc, quand je viens soit sur Cestas ou sur Mérignac, en gros, c'est pour du dépannage, quoi. Enfin, c'est pour du dépannage, je veux dire, parce qu'ils ont personne d'autre à mettre à la place. Oui, ah, je suis trois coups. Bon, en tout cas, oui, ça fait bien plaisir de t'avoir en fréquence. Et là, il y a un tel brouhaha que difficile d'entendre, d'entendre du monde. Du côté des sup en BNU, eh bien, on a l'impression que c'est un peu le désert. C'est à croire que la propague est que sur les 40 canaux. Hachi. Oui, je te confirme que c'est le bazar. D'ailleurs, on risque de se perdre au cas où, donc je te fais les 73-51 à l'avance. Mais effectivement, oui, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi du digimod. Hein. Attends, j'ai pas compris le dernier mot. Hein. Bon, je disais que j'ai l'impression qu'il y a aussi des digimod. Il doit y avoir d'autres choses parce qu'il y a des bips assez étranges. Hein. Ah oui, peut-être aussi, ouais, effectivement, oui. Ouais, attends, je suis en train d'attraper là toute la série de Dodane. Putain, à quoi ça leur sert, quoi? On est à la campagne, on n'a pas besoin de voir autant d'ânes comme ça sur la route. Hachi. Ouais, non, mais c'est possible qu'il y ait ça, parce que bon, de toute façon, de tout temps à jamais,
la Sibie, comme pas mal de bandes radioamateurs, est en bande partagée. Hein. Donc, ben voilà, quoi, c'est. on n'a pas le choix, on doit faire avec. Ben, tout ça retourné également, comme ça, voilà, c'est fait avant. Et voilà, je suis en plein dans les bois, là. Voilà, c'est ça, là, ça... T'as la route qui serpente dans les bois, avec plein de dodanes. Voilà, je suis de ce côté-là, quoi. Je saurais pas te dire le nom de la route, mais voilà là où je suis. Et pour se revoir à nouveau en fréquence sur le secteur, oui, alors là, ça risque de pousser un moment, puisque... Après, eh bien après demain, après-demain, je suis en repos. Le week-end prochain, je suis sur, du côté de Saint-Émilion. Après, eh bien après, j'ai 2 semaines de vacances. Donc ouais, ça va pousser un peu plus loin, c'est clair. Hachi. Effectivement, et là, donc pour te donner un ordre d'idée, donc là, je suis avec le petit PNI que j'avais. Alors c'est un petit peu nasillard. Alors ça tombe bien parce que... Attends, merde, Putain, j'étais en cinquième. Non, je devais être en troisième. Je suis arrivé sur un dodane. J'ai dû vite descendre en seconde vu comment le dodane était. Bah. Alors c'est un petit peu nasillard. Oui, j'allais dire, ça tombe bien, là je suis en train de faire une vidéo. Donc là, tu pourras voir ce que ça donne dedans. Puisque, bon, se fier à ce que dit quelqu'un... Putain, il y a un écureuil qui a failli se faire écraser. Se fier au dire de quelqu'un, ben, ça va être avec l'appréciation de la personne, entre autres, là, moi, Hachi. Et alors que là, tu pourras entendre directement dans la vidéo ce que ça donne. C'est, donc là, c'est un petit peu nasillard. Ok, bah effectivement, ça me donnera une idée, pardon. Après, bon, j'oublie pas aussi que c'est le micro d'origine. Enfin voilà, il n'y a rien de changé, mis à part qu'il a été débridé à, je crois que j'avais mesuré 8 watts en AM. Bon, écoute, ça chauffe un peu quand on fait du long, mais ça va, franchement, pour un petit truc à pas cher, c'est plutôt cool. Ok, alors attends, je vais m'arrêter là parce que je suis plus très loin. C'est quoi ça? Je m'arrête devant quoi moi là? Ah bah c'est un garage. Ok, le voisin, lui, il a le portail de fermé, c'est bon. Ok, alors j'ai l'impression que si je me rapprochais de toi, la modulation serait meilleure. C'est une idée comme ça, quoi. Ah bah là oui, en fait je me suis éloigné, donc je me suis arrêté aussi. Hein. Mais effectivement, oui, il y a des chances. De toute façon, puisque ça va être comme ça que je vais me déterminer, savoir ce que donne réellement ma modulation sans les avis extérieurs. Mais bon, en tout cas, je ne vais pas te retarder plus longtemps, donc 7350 à toi, et puis bon travail, hein, si j'ai bien compris, et on se retrouve peut-être un de ces quatre sur les ondes par le hasard, un peu comme là, quoi. Allez, à plus tard. Oh ben là, comme d'habitude, là je suis en avance parce que j'arrive quand même du côté de Castillon-la-Bataille, hein, par là-bas. Hein. C'est donc là, je dois avoir entre 60 et 65 km là autour de ça. Donc là, chaque fois, je me prévois une grande marge. Et toi, j'embauche à 19h et bon, je suis pas trop loin. Hein. Donc là, j'ai encore 10 minutes devant moi. Mais bon, ok, pas de problème, je vais te laisser y aller. Et 73-51, très content de t'avoir eu en fréquence. Et ben, je m'occupe de la vidéo cette nuit. Et si au niveau débit, parce que là où je suis, eh bien internet c'est très compliqué. C'est, je mets le téléphone en partage modem sur le rebord de la fenêtre. Et j'arrive à avoir un petit point. Donc à voir comment ça va être de ce côté-là. Ben sinon, ben je la mettrai en ligne demain. Donc ça sera un petit bonheur la chance si dans la nuit je pourrais te l'envoyer, enfin en partage après,
ou demain. Bon, bref, de toute façon, on se tient au courant, il n'y a pas de problème. Ah, chi. Et 73-51 à toi, bon retour au QRA et à la prochaine. Ok, merci, ciao, à la prochaine. Alors, avoir des OM du forum, alors ça c'est tout simplement génial. Se parler via clavier, c'est bien beau, mais en vrai, c'est quand même 100 fois mieux. D'accord, je crois que j'ai compris. Je sais plus quel pays de l'Est et en... Je sais plus quel pays de l'Est et en terminaison 0. Et si ça se trouve, les moustaches que l'on a de la FM, sans pour autant arriver à les sortir comme il faut, sont en terminaison 0. Bingo. Et leur homologation, elle est comme ça. Ah. Mettre le moteur en route. Voilà. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis Sestas, sud-ouest de France, à côté de Bordeaux. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis l'ouest de Bordeaux à Sestas. Je réponds pas au sifflet.
On remarquerait que perso, j'aime pas trop lancer les appels sur les fréquences d'appel directement. Tout le monde squatte le 12 sup, le 27555. Mais bon. Chacun son truc, hein. Hier, j'ai loupé l'occasion de prendre les micros. C'était les départements français et tout, hein, qui passaient à cette heure-ci, là, en même temps. Là. Ça a tenu un moment dessus, mais bon, on peut pas être partout. Hachis trois coups. Je me trompe ou c'est du portugais? Ou Italie peut-être? Italie! Alors pour certains OM, le canal 19, c'est unique, le canal 19 qui est le canal de la route, est uniquement en AM, hachis trois coups. Quand quelqu'un se met sur le 19, le canal de la route en FM, forcément ça crée des perturbations. Ça fout le bordel. C'est comme si on se mettait en FM sur le 12 sup, le 555. C'est pas terrible non plus. Je reprends ma route quand même. J'ai payé la retraite de certains avant que moi j'y sois. Ah. Il y a du monde derrière.